Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, toujours un petit peu enrhumé, donc une voix de nez bouché, hein, tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour la suite, tant attendue par certains, de notre aventure exotique sur Uncharted de Lost Legacy, l'épisode 13. On continue, j'oublie pas les gars, même si ça touche une minorité d'entre vous, je ne vous oublie pas, vous en faites pas. Je sais que l'attente fut longue, mais l'important c'est que ce soit là. Ne paniquez pas, ok, on a un gars juste ici. Bon, on a un hélicoptère, hein. On a un hélicoptère. Toujours un petit peu chiant. Ok, aucun souci pour lui. Oh, un petit deagle. Ça, vous savez que c'est un peu mon péché mignon. Les deagles, c'est un petit peu mon délire. Ah putain, je l'avais pas vu, salopard. Alors lui, ça va être un souci, hein. Lui, ça va être un souci. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a un casque, en fait. Ok. Ok. J'ai eu très très peur. J'ai eu très 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 peur. Il nous reste un gars là-bas. Oh putain, il y en a juste ici. Oh là là, mais arrêtez de courir comme ça dans mes pattes, vous là. Ok. Il y a un gars juste de l'autre côté du camion. Attends. C'est quoi? C'est rien mon frère. Viens faire un tour, viens faire un tour, je vais te dire ce que c'était. Ah d'accord. C'est quoi? Mon dieu, un ami à moi est mort. Tant pis. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi là-dedans? Je vais voir s'il y a pas un petit bifton qui traîne, c'est ça? Monsieur, faut partir. Monsieur ne peut pas partir. Vous allez voir, au moment où je vais vouloir bouger... Voilà, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lui là-haut. Ok, il a décidé de bouger que maintenant. Très bien. Je ne sais pas du tout où tu vas aller. Mais laisse-moi te dire que tu es un homme mort. Oh putain, non, t'es pas si mort que ça finalement. Ah, on revient très rapidement. On revient très très rapidement. Alors, voilà mon idée pour lui. Aller sur la droite. Non, c'est même pas possible. Mais je vois même... Ah si, j'ai vu. J'ai vu comment on va faire. On va passer par là. Et normalement, il va faire une petite décale. Attention quand même sur ma gauche. Oh là là, je la sens tellement pas. Là, il va avancer. Et dès qu'il fait demi-tour, c'est terminé pour lui. C'est un homme mort. Voilà, c'est un homme totalement mort. Encore des munes, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous savez quoi? On va prendre un peu de hauteur. Je vois déjà un gars là-bas. Je vois deux gars là-bas. Waouh. On va peut-être finir en bas, non? On va peut-être finir en bas. Si je me fais cramer, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Oh là, ça, ça peut exploser. Attention quand même. Comment se débarrasser d'un putain d'hélico, les gars? Faudra m'expliquer. Ok, j'ai peut-être mon idée là. Je crois qu'on peut passer par les trains, bougez pas. Oh, mais attends, l'hélico, il peut que me crier là, non? Il peut me voir ou pas? À moins qu'il soit totalement aveugle, normalement il peut me voir. Putain, j'ai l'impression qu'il zone. Enfin, il peut totalement me voir. Regardez la chose qui s'est remplie, on a eu très très chaud. Aïe 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 aïe, il y a lui juste en bas. Va falloir que je le fasse en secret. Oui, non, mais ça va aussi. Le mec, il zone exactement où je suis. Fais sauter cet enfoiré en vol. Ok, on est cramé, les gars. Waouh. Waouh. Oh, mets-toi à l'abri. Ok, c'était terrible. Waouh. Ok. Ok. Ça c'est bon, je suis désolé, je me suis fait cramer, mais c'est les aléas du direct. Oh là là, il y a un sniper en plus. Je vois pas où il est. Ok, j'en vois deux là-haut. Aïe 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 aïe.
Situation critique pour homme critique. Heureusement que j'ai ramassé des munitions tout à l'heure, bordel. Oh là là, c'est pas évident là, les gars. On dirait pas, mais c'est une situation à sens unique. Pour le moment, c'est un aller simple pour l'enfer. Comment je peux faire enculer un avion, moi, à cette distance, frère? Merde, les balles servent absolument à rien. Bien sûr, idiote. Quoi? Mais... Vache! Regarde dans les coffres. Y'a peut-être quelque chose d'utile. Ok. Je regarde dans les coffres. J'aimerais juste survivre avant, si ça vous gêne pas. Ok, je crois qu'il n'y a plus personne. Hein. Pas envie de faire l'américain. Mais je crois vraiment qu'il n'y a plus personne. Donc regarde dans les coffres. Ok, on va essayer de trouver des coffres. Tiens, c'est pas un coffre là? Waouh! Waouh! Aïe! Aïe! C'est bon? Ok, on a l'air pas mal. Allez, dépêche-toi. Ça va qu'ils ont mis les coffres en sécurité parce que MDR. Pas si en sécurité que ça. Dépêche, allez. Allez. Là, c'était très très chiant. Écoute mon rêve. C'est très très chiant, Nat. Ah putain! Aïe! Des renforts arrivent, pardon. C'est bon, ils ont rien vu. Attends, ils arrivent où les renforts? Non, les gars. Non, les gars, non. Il y a des renforts, mais je sais même pas où sont les autres caisses. Oh, c'est terrible. Oh, l'issue. L'issue de ce combat est terrible. Ça va très mal se passer. Hein. Voilà que ça va très mal se passer, hein, j'ai dit. Hein. Vas-y. Mets tous à la suite, j'ai peur de personne. Ça va, c'est des petits renforts. Ça va, ça va. Ok. Lui, je vais me régaler sur ses côtes. Lui, c'est pas un problème. Hein. Considérez que c'est un homme totalement mort. Voilà, et il en restait un par là-haut, je crois. Viens, mon frérot. Viens, 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 viens. Tu vas voir comment ça se passe chez McDonald's. Je t'offre un menu gratuit, gros. Hein. Et c'est un maxi best-of, hein. Ça rigole zéro. Allez, ça dégage. Là, on prend ça. Vous êtes prêts? Hasta la vista, baby. Encore en vie, je vous ordonne de les écraser. Ouais, wow. Comment ça se fait? Wow. Merde, je trouve pas le moindre explosif. Oh là là, putain, mais 3 balles de roquettes, 3 roquettes pour un putain d'hélico. On n'a pas vu les mêmes films, hein. À la télé, les gars, c'est une roquette, c'est terminé, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans Die Hard, hein. Ça dégage, j'ai pas le temps. Oh putain, on a une caisse ici. Mais oubliez-moi, vous voulez pas m'oublier vraiment. Ça va être compliqué là, je vois pas comment récupérer. Arrête, arrête, arrête. Arrête, abuse pas. C'est pas un peu dangereux? Bien sûr que si! Allez! Ok. Ok, 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 je suis désolé si je parle pas beaucoup. Mais là, ça nécessite une concentration. Ça fait bien 10 minutes qu'on est sur la même rencontre. Le tout pour le tout! T'es pas prêt! Je vais mourir! Ma vie est nulle! Mais qu'est-ce que je fous là?
Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là, frère? Yo, les gars! Salut! Ah! C'est bon, une petite patate, hop, une autre petite patate, hop, encore! Attention, 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 attention! Donna! Oh! Oh non! Oh non! Non! Madame, vous avez l'air en forme. Qu'est-ce que t'as fait à ma société? J'en ai fait un business rentable, pas comme vous. C'était une question rhétorique. J'aurais dû t'abattre sur cette île maudite. J'aurais préféré. Ça m'aurait évité d'avoir à vous regarder fuir comme une lâche. Bon, ça va. Vous réglerez vos comptes plus tard, ok? La défense, merci. Vous deux, ensemble. Soit vous avez vraiment une mémoire de chiottes, soit vous avez complètement touché le fond. Décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Moi, j'en suis pas réduite à trafiquer des armes avec une bande d'insurgés. Nous y voilà. Nous y voilà. Oh, vous et votre esprit étroit. Vous pensez vraiment que j'aurais échangé ça contre des munitions? J'en ai rien à foutre. Donne-moi la défense. Bon, ben... vous allez rater le feu d'artifice. Je te le répéterai pas. Ok. Attrape. Au boulot. Merci. Peut-être un peu bâclé, mais... Quand tu veux, tu bouges. Ok, compris. Je pourrais... la regarder une seconde. D'accord, mais un tiers est à moi, tu sais. Tu partages avec Chloé. Ok. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dis-toi que c'est le prix de mes services. Laisse-moi te dire une chose. C'est une bombe. Quoi? Bon sang. Un Sav a échangé la défense contre une bombe. Le feu d'artifice. C'est pas bon. Je sais. Ces rails vont droit vers la ville. Vers le marché. Rejoignons le prochain village. Alertons les autorités. Ce sera trop tard. Si elle explose, des milliers de gens mourront. Et c'est vraiment un grand drame. Mais on a ce qu'on est venu chercher. Enfin... Quoi? T'as quand même pas l'intention de poursuivre ce train. Ok, fonce! Fonce, t'as un plan? Apparemment, c'est pas utile dans votre petite organisation. Tu vas vraiment la laisser faire? Non, je... Enfin, elle a pas tort pour tout. Attends, je sais pas, ok? C'est pas notre combat. Tu l'as dit toi-même. Mettons que tu rattrapes le train, et après, on peut pas désamorcer la bombe. T'as raison. Bon. Bon, alors, on contacte les autorités... C'est pas notre combat. C'est le mien. Si cette bombe explose, ça déclenchera une guerre civile. Je peux pas l'accepter. J'en ai marre de fermer les yeux. Tu mourras. Ça me gêne pas. Hé. Hey. Mets ma part de côté. Ok? On sait jamais, hein? Tu
vas pas me laisser tout seul avec elle. Descends. Non. Je monte devant. D'accord. Je m'assois derrière. Quoi ? Aïe, aïe, aïe ! Chapitre 9 ! Terminus, comment c'est trop stylé ! J'ai kiffé. J'ai kiffé cette petite cinématique, ça m'a donné des frissons. Je vais pas vous mytho. Garde les yeux sur la route. Hey, Sam, vous voulez ouais. En face, on dommage, accroche ta ceinture. Ok, on va essayer. Ce serait compliqué, là. C'est compliqué. Les gars, j'y vais au total feeling. C'est rien. C'est rien, j'y vais au total feeling parce que je ne sais pas par où passer. Bon, ça s'appelle Terminus, hein. Vous connaissez les bails, c'est que tout va se finir ici, les gars. Sûrement le dernier chapitre. Le chapitre rempli d'amour. On gagne du terrain. Ralentis pas. Ouais, je comptais pas ralentir, mais enfin, je comptais pas accélérer non plus. Des motos. Je peux rien faire, les gars. Je peux pas conduire et tirer. Ok. Alors, c'est ça qui est drôle, il y a toujours des motos qui viennent pour toutes ces zones et qui arrivent, waouh, à nous rattraper. Ok, ça me rappelle étrangement un chapitre d'Uncharted 4 qui était aussi très sympa, où on devait s'échapper d'une ville. On devait s'échapper d'une ville en 4x4 d'ailleurs aussi, hein, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Et c'était assez cool, honnêtement. C'était assez cool. C'était avec Drake et Sam, justement. Ok, vas-y, hop, là, c'est parce que par ici. Attends, je suis déjà en feu. Est-ce que je peux exploser? Je peux rien faire, on est d'accord. Ok, on est bientôt arrivé, je pense. On est bientôt arrivé. Ok, ça. Ouais, bah. Allez, t'as croisé les mauvaises personnes, boum, ça dégage. J'ai pas le temps pour vos conneries, moi. Moi, je croise qui je veux. Sam, prends soin de la défense. J'en fais pas. Ah, d'accord, c'est déjà parti. Et moi? Approche, je vais t'aider à monter. C'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. Ok, j'en ai rien à foutre. On a laissé Sam dans le véhicule. Bonne chance, Sam. Il va s'en sortir. On est parti dans une petite phase en train. Et là, ça me rappelle énormément Uncharted 2. Où la phase en train était assez dingue aussi. T'as vu où ils ont mis cette caisse géante ? Près de la motrice. Bien, c'est notre prochain objectif. Donc là, les gars, va y avoir du fight. Hein. Je vous le dis, dans Uncharted 2, c'était assez tôt dans le jeu. Il me semble ce qui s'est passé, la poursuite en train. Sur un train en marche. Et... c'était assez merde, compliqué. On peut pas grimper. Attends. Là, c'est vraiment dangereux. Il y a un éléphant. Voilà. C'est ce que je cherchais. Compris. Elle a failli se laisser tomber, elle m'a fait peur. Essayons de l'autre côté. Ok, maintenant, c'est pas ici. Wow, il y a un éléphant, hein. Il y a un éléphant, les gars. J'ai pas envie qu'il meure, hein, les mecs. Hein. C'est les frérots. Ah! Ok, viens, on progresse! Toujours pas d'ennemis, assez étrange. En même temps, je suis pas sûr que des ennemis, enfin que des mecs, aient l'intelligence d'aller dans un train avec une bombe dedans, d'accord? Même si c'est pour le protéger. Moi, perso, j'accepte pas, moi, que ça soit payé. Très, très cher. Y a pas, c'est un train fantôme, tout simplement. Hein. Un train quasi inarrêtable. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. S'il y a des mecs. Ouais, bah, y a bien des mecs. Hein. Ces mecs sont totalement suicidaires. Vous êtes prêts à partir vite au digueul. Ah ouais. Mais avec un train en marche, c'est pas facile. Ok. Eh hey, bon, récupérer, ça c'est cadeau, c'est bon, c'est égal. Faut faire par la maison, allez, ça dégage. Waouh. Trop timing. Ça dégage, j'ai dit. Ok, c'est compliqué là. C'est compliqué, j'hésite limite à prendre le fusil à pompe. Pour le bout portant, ça me paraît pas mal. Ah, il y a bien des ennemis. Ok, regardez ça, les gars. Ça dégage. Ça dégage. Pas le temps pour vos conneries. Je sors d'un call-off, hein. Moi, ça va très vite à la maison. Waouh ! Reviens. Reste avec nous, reste sur le train. On va pas gagner ! Waouh ! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'est mis à l'abri. On s'est mis à l'abri calmement. Aïe !
Donc on va récupérer très rapidement le snipers. Une balle. Deux balles. Quoi? Oh, je suis pas d'accord. Waouh! La balle dévie là ou? Aïe, plus de balle. J'ai l'impression que la balle dévie, mais c'est bien fait. Même si c'est chiant sur le coup. Attends, fais pas la con, fais pas la con, reste avec moi. Oh, les gars, c'est dur, hein. C'est honnêtement pas évident à viser. Oh putain. Les gars, matez ça, matez ça. Waouh! Mais tu sors d'où? Mais casse-toi! Mais! Quel est con! Ok, ils sont partout! Ils sont en moto! Ils sont dans nos campagnes! On se recasse! Aïe! Ok, on va repasser par ici. Oh, c'est pas évident ces conneries, heureusement qu'ils donnent des grenades. Ça, c'est quoi ça? Ça sert de. C'est fini pour toi! Ok, c'est bon, c'est bien ce que je pensais. Je l'ai trouvé! Allez! Oh là là! Oh l'enfer! L'enfer de la visée, putain! Oh putain, Deagle! Ça, c'est beau ça! Continue! Il faut qu'on atteigne la motrice! Ok, j'avance ou je prends les armes au passage. Hein. Là, je suis en mode machine, c'est terminé. Hein. Allez! Vous avez dit que ça serait pas aussi simple! On va passer par ici maintenant. Ok. Attends, 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 parce que. Là, si on s... Voilà, si on se débarrasse pas des motos. Je préfère demander. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Ok, c'est pas mal. Oh là 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 là, faut faire tellement gaffe. C'est bon, mais j'avance, j'avance là. Je peux pas faire plus. Allez, on y va. C'est compliqué, les gars. Je suis une simple victime dans... Bon, lui m'énerve. Ouh, gros. Ok, on va prendre ça. Ça, ça me parle. On doit pouvoir le contourner. Ouais, attends. Non, je suis pas d'accord, là. Comment on peut contourner ça, là? Explique. J'aime ta façon de penser. Ah! Allez, casse-toi! On est mort. On est totalement mort. On est totalement mort, mais vu qu'on est en cinématique, c'est bon. Boum, ça dégage. Boum, ça dégage. Mais... Ah bah voilà! Allez, on reprend le volant. Oh putain, un petit accrochage, les gars. Rien de grave. Allez, 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 allez. Là, je peux rien faire. C'était pas en mon pouvoir. Quoi? Elle a dit... Oh, ça m'a saoulé. Elle a lâché le grappin. Allez, on bombarde les gars hors trace. Oh là 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 là, ça me paraissait pas à côté cette histoire en plus. Hein. Oh, les embrouilles. Les embrouilles. Ok. On est reparti, les mecs. Bon, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Encore bloqué. Par le dos. Non, attention. C'est un petit dingue tourelle. Baisse la tête, vite. Waouh. Ok. Comment on est censé faire le tour, là? Je vois pas. Ok, je voyais pas. Je voyais pas. Je pense qu'il fallait retourner encore dans un 4x4. Encore bloqué. On part le tour. Ok, ça confirme ce que je pensais. Allez, on est reparti. T'as une idée pour monter sur ce camion? Approche-toi pour qu'on accroche le grappin. Tu rigoles? Mais cette fois-ci, lâche pas. Oh merde.
What? Elle se fait traîner. Ah, je lui roule dessus. Nadine, je suis désolé. Ok. C'est pas vrai. Allez, on va se faire traîner aussi. Ma vie est nulle. Laissez-moi tranquille. Allez, Nadine, faut y aller là. Hein. T'es censé être déjà arrivé. Hein. Oh, je sais pas c'est quoi mes chaussures, mais. Mais c'est du lourd. Non. J'arrache tout. Hein. Une autre fois peut-être. J'arrache tout les gars. Oh, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Même dans Die Hard ils ont pas fait mieux hein, je pense. Là on est d'accord les gars. Ok, on est des machines. J'ai dit on est des machines. Oh, ma vie est nulle. Oh bah en plus il se fait éclater. Ok. Mec, c'est une machine le mec. Ah bah, il est mort. On a balancé ça. Allez, ce camion va plus tenir très longtemps. Faut qu'on saute, vite. Allez, on est reparti les gars. C'est le train le plus long du monde. Échanger la défense contre une bombe, réquisitionner un train, ça va lui mettre des mois à préparer ça. Trésor ici, le plaisir de lui foutre ses plans en l'air sera d'autant plus grand. Ok, on est bientôt. Oh là là, on est bientôt à la tête du train. Je pense très honnêtement qu'on y est presque. Et il va y avoir un petit combat dans ce train. À mon avis, pas envie de vous dire n'importe quoi. Je vais t'aider. Mais je miserais peut-être beaucoup dessus quand même. Fonce, je m'en occupe. Allez, vas-y, bombarde. Ok. Oh, elle est bien plus grosse en vrai. C'est du matériel militaire. Par ici. Aide-moi. Oh la vache, c'est trop lourd. Tu peux la désamorcer? Elle exploserait si j'essayais. Plan B alors. On va à la motrice. Ok, ça pue la merde, les gars, la motrice. Tu viens? J'arrive, j'arrive. Je suis à Crippa, je suis juste à côté. J'ai bien que t'as plus de tampon avec tout ce qu'on a vécu. Ok. C'est bien le moteur. On peut glisser par là. Allez. Ok. Je pense qu'il va y avoir forcément un combat avec Assab, les gars. On peut pas laisser Assab s'en sortir comme ça. Non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont soudé la porte. Mais chier. Ah ouais, ils ont tout prévu. On trappe. Pardon. Pardon. Quand tu parles d'une trappe, tu parles d'une trappe en hauteur, rassure-moi. Réfléchis pas à ce que tu fais. Fais-le. Ok. Pour l'instant, tout est normal, hein, les gars. On désamorce une bombe sur un train en route. Je vois pas. Je suis totalement... Non, non. C'est un suicide. C'est un suicide, n'ayons pas peur des termes. Ok. Je suis totalement mort. Bon, les gars. Non, Chloé. J'ai pas envie de diffuser cette bombe. J'ai pas envie de diffuser. Ah, on entend le trésor qui est derrière quand même. C'est bien foutu. Peut-être pas deux fois quand même. Hein. Enfin, peut-être pas trois fois. Allez, on est reparti, les gars. Je sais pas ce que tu fais. Fais-le. Ah bah, la dernière fois que j'ai pas réfléchi, on est passé sous le train, ma grande. Hein. Donc, fais-le vite fait. Hein. Ok, c'est parti ici. Là, c'est pas soudé. Okay. Là, ils ont pas pensé à soudé. Ah, tu arrives? Là, ça arrive. Elle est soudée aussi. Ah. Il va y avoir un autre moyen. Si t'as la moindre idée, je suis toute oui. Un levier. Quoi? Là, une gare de triage. Si on l'atteint, on pourra détourner le train et gagner du temps. Ok, bonne idée. Oh, ah merde. Forcément. Une voiture. Et lui, il sait même pas ce qu'il fout là à faire. Je peux te dire. Oh merde, Nadine. Une minute. Hey, Nadine. Allez, merde. Ok, on est reparti, les gars. Oh là là, mais c'est jamais terminé. Il y en a plus, il y en a encore. Waouh! On n'a pas beaucoup de temps. Je sais pas où je suis. Normalement, j'ai fait un 3-6. Je sais même pas si je suis sur la bonne voie. Ça se trouve, ça m'a saoulé. Je reviens au début du jeu. Oh, dégage, tu m'as saoulé. Là, tu nous racontes ta vie. Oh, on a rien à foutre. Ok, c'est bon. Je suis revenu sur la bonne voie, je pense. On va peut-être passer par là. Un Sam petit clip perso. Hé, Sam! Où il va? Attends, vous l'avez vu où là, Sam là? C'est lui à droite? Ah, ça a l'air d'être plus à droite, ouais. Ok. J'aime pas ça. On va où? Merde alors! Hey! Faut qu'on fasse en sorte de changer le train de voie!
Ok. Va falloir faire vite. Sam! Où est Nadine? Sur le train! Il faut s'occuper de l'aiguillage! Ok, c'est parti! Aucun souci, bien sûr, c'est pas possible! C'est vraiment gars. Pas le moment! Les gars! Hé, les bouffons! Vous pouvez nous lâcher la grappe deux secondes? Allez, tout le monde dégage là! Merde! Le train se rapproche! On peut se les faire! Ça y est, plus personne! On retourne à l'aiguillage! Allez! Pousse! Va falloir faire vite! Allez, 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 allez! Oh là là, ça va tellement! Bon, elle prend ce qu'elle mérite! Merde! Elle prend ce qu'elle mérite là-dessus, elle! Il faut que je la rattrape! Attends, attends, attends! T'es vraiment sûr? Elle sait se débrouiller! Sam! Ok, je voulais juste. Oh, merde! A noter qu'il va les retenir avec un 9mm, hein, bien évidemment, ce sont des mecs surarmés et qui arrivent en tank, ça va. Jusqu'ici, tout est logique aussi. C'est ce qu'on apprécie, c'est ça qu'on aime dans Uncharted. C'est que le mec, il va s'accrocher à une brique, c'est la brique qui tombera. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plaisir. C'est le plaisir de l'action, c'est le plaisir d'en prendre plein les yeux. C'est le plaisir des aventures exotiques, voilà, tout simplement. Mais comment je monte à bord? Et croyez-moi que dans Far Cry, nous arrivons à la même chose. Ni passage à niveau, ni pas aidé. Eh, hey, gros, moi je vois ça, moi. Voilà. C'est bien fait, hein, on n'a pas l'impression que c'est scripté, c'est incroyable, hein. Dire que ça a marché. Oh merde, le pont. Merde. Merde. Allez, là c'est toujours à moi de jouer, les gars. Matez quand même les soucis du détail incroyable de ce jeu, toujours. Bon alors, d'où il vient? Aucune idée, les gars. Mais après tout ce qu'on a fait, je suis pas étonné. Je trouve ça normal. Limite, il est venu en scooter Vespa, gros. Il est venu en Y. Vous voyez, je me suis toujours considéré comme un homme très patient. Mais vous êtes une variété de vermine particulièrement tenace. Sympa. Je sens que je vais me faire plaisir. Ok, c'est Vas-y, parti, les gars. Montre-moi un peu ce que tu sais faire. Mais gros, ça va, hein, c'est Néo, le mec. Oh là là, mais gros, mais c'est une machine. Il est trop stylé. Continue. Attrape-le. Ah, une patate. Oh là là. Boum, boum. John Cena, mon gars! Vous allez risquer vos vies! Et pourquoi? Pour une ville de paysans? Mais quel parfait connard! Le sang des anciens rois coule dans mes veines! Mon peuple renaîtra de ses cendres! Waouh! Très bien, gros! Bien essayé! T'aurais jamais dû partir! Oh la merde! Oh là là, c'est trop stylé le combat! Aïe! J'aurais jamais dû venir ici! Ok. Ok, c'est bon. Ok, ça va, j'ai compris. T'es le plus fort! Attrape-le! Pourquoi je t'avais engagé? C'est bon, ça, boum! Boum! John Cena! Qu'est-ce que t'as... Bam! Ces terres sont à moi! Qu'est-ce que vous espérez y gagner? On s'intéresse surtout à ce qu'on peut vous faire perdre. La bombe? J'en achèterai une autre. Je brûlerai ta ville, voleuse. Et ton peuple me suit. Oh wow! Bah attends, t'es en train de parler, gros! Nadine! Finissons ça. Aïe. Ok. Les gars, faut apprendre les patterns. 1, 2, 3, 4. Ok, hop, esquive. Meurs. Aïe. 1, 2, 3. 1,
2. Oh, hop, hop, hop. Ah oh, putain, mais là c'est 4. Là, oh, putain, c'est exactement comme la fin. Oh là, il m'a mis deux doigts, il a dit ferme ta gueule. Bah, j'ai fermé ma gueule instantanément. Ah les gars, faut que... Non mais stop. Oh, oh, je viens d'arriver. 1, 2. Non mais faut connaître les patterns, ça va aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Chut. N'essaie pas de résister. Il faut savoir reconnaître sa défaite. C'est bon, y'a Nadine, y'a la sorette. Allez, ça va le passer par-dessus. Chacun notre tour, les gars. Nadine, j'arrive. J'ai conscience maintenant. Faut que je descende. Quoi? Mais non, j'étais descendu, putain. On est mort combien de fois, là, dans cette vidéo? Tu as une conscience maintenant. Faut que je descende. Allez, fallait, évident, c'était évident. C'était évident. Tu as une conscience maintenant. Allez. Faut que je descende. Voilà, deux fois. Faut que je monte. Mais oh. Non. Oh. What? What the fuck? Ça arrive qu'à nous, ça, hein. T'as pas l'étoffe d'une héroïne. Ma guerre déstabilisera le gouvernement. J'arrive, Nadine. On aura besoin... Oh, boum! Je mourrai un millier de fois avant de vous laisser gagner! Oh merde! Petit rappel, le pont! Aucune importance! Finissons-en! Vas-y! Sale vermine! Oh, on lui met ce qu'il mérite! Oh, on lui met ce qu'il mérite! Oh! Oh ouais! Oh, il a pris tellement cher! Tout prêt! Je purifiais cette terre par le feu! Il vous suffisait juste de mourir! Ok, c'est pas fini. Vas-y, vas-y, Nadine, mets-lui ce qu'il mérite! Voilà, j'arrive! Oh là là! Ah, il est coriace, hein! Ça peut faire mal. C'est terminé. Vous pensez avoir gagné? D'autres viendront. Comme le jeune roi, vos efforts seront vains. Vous l'avez dit vous-même. Le progrès exige des sacrifices. Fraser, il faut y aller. Putain, prétentieuse! Cours! Allez, c'est pas fini maintenant, faut se barrer. On se casse. Ok. C'est bon, on est large. Waouh. Bon, c'est rien, les gars. Je vais marcher sur la tête, rien de fou. Allez, c'est pas fini, hein. C'est toujours pas fini. S'il te plaît. C'est pas vrai. Oh, Sam. Montez, je vous récupère. C'est que du muscle, elles disent tout ça. Allez, allez. La vache, merci. Oh. Comment vous avez pu vous sortir de là? Alors là, j'essaie encore de comprendre. Et... Assav? Il est dans le train. Ah, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Regardez-moi ça. Waouh. Ouais. Eh ben, on revient de loin. C'est clair. Alors, et maintenant, Nadine Ross, tu reprends Shoreline, tu conquiers le marché des armes,
J'arrête avec Shoreline. Vraiment ? Vraiment. En fait, je me disais que je retenterais bien de partir à la chasse au trésor. Tu connaîtrais pas un con égoïste qui cherche une partenaire ? Pas toi. D'accord. Ah. Désolée, je bosse qu'avec des pros. Ouais. Où est la défense ? C'est pas... Oh, c'est pas vrai. Non, mais Sam... Je déconne, la voilà. T'as fait une tête. Ah, oh, bah d'accord. Merde. C'était ma dernière clope. Elle est vraiment superbe. Ouais. Combien on pourrait en tirer de cette beauté ? Eh ben... Je suis sûre que le ministère de la Culture nous donnera... une généreuse et belle prime. Pas vrai ? Ensemble ? Le coude. Ah. Oh ! Vous êtes trop marrante. Le ministère de la Culture. J'y crois pas, vous êtes sérieuse. Et c'est donc la fin de notre aventure sur Uncharted Lost Legacy, les amis. Et cette petite aventure annexe, cette petite histoire annexe, était franchement bien sympa. J'espère que vous avez kiffé. Alors, effectivement, c'est pas un Uncharted numéroté, mais c'était histoire de replonger dans cet univers qu'on a bien aimé avec Uncharted 4. Et honnêtement, ce Lost Legacy, bah, je l'ai apprécié. Alors oui, j'ai mis pas mal de temps avant de sortir les épisodes et j'en suis désolé, mais... On l'a quand même fait en entier, comme la plupart des let's play, et c'était très sympa pour ma part, j'ai bien apprécié cette petite aventure. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire évidemment, et on se retrouve très bientôt sur un jeu que vous connaissez tous, pour tous ceux qui me suivent. Je parle évidemment d'Horizon, parce qu'une autre aventure annexe est sortie il n'y a pas longtemps, donc on se retrouve très bientôt dessus, et je pense qu'on va bien s'amuser aussi. Je vous fais des bisous, et je vous dis portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Je sais. Un collectionneur privé. Hein ? Réfléchissez juste une seconde. Je comprends que vous avez des principes, et c'est très bien. Vraiment. Et je suis complètement d'accord. Mais on pourrait peut-être... Gâche pas ce beau moment. Hum.